C'est un signe annonciateur de bonnes nouvelles. Le chant des oiseaux est de retour dans la forêt de Rambouillet. Dans ce camping, la saison a débuté il y a 3 semaines déjà, mais l'arrivée d'une météo estivale marque le véritable retour des clients. On est rempli à 90% sur nos locatifs pour ce week-end, donc c'est plutôt un très bon week-end. Et ensuite, bien évidemment, il y a la partie camping qui va se remplir, mais avec moins de réservations. Ça va plus être du passage qui va vraiment, pour le coup, dépendre du soleil qui va être avec nous ce week-end. C'est toujours beaucoup plus agréable et il est sûr que ça a un impact important et dynamisant sur les réservations. Au milieu des arbres et en pleine nature, l'offre de logements est aussi variée qu'originale pour un camping, avec des cabanes et cahutes notamment, 200 emplacements au total, mais une piscine encore en cours de préparation pour les beaux jours. La piscine naturelle est non chauffée, donc nous demande d'attendre un petit peu que l'eau chauffe aussi. Et ce qui nous laisse un peu de temps pour nettoyer pendant la saison. Le soleil est quand même primordial. Il est toujours plus compliqué d'aller se baigner sous la pluie, hein. C'est une piscine non couverte. Les Yvelinois seront sûrement nombreux à vouloir profiter du week-end printanier qui s'annonce. Si le camping de Rambouillet est déjà presque plein, une quinzaine d'autres sites dans les Yvelines offrent une escapade entre la nature et les chants des oiseaux.